Tu vas suivre le bout de mes doigts. Tu suis le bout de mes doigts. Tu peux imaginer que c'est des petits papillons. Tu peux les imaginer violets, rouges. Et lorsque je dis le mot d'ordre, tu replonges à l'intérieur de toi-même. Dors, mon sommeil profond, complètement détendu, relâché, maintenant. Et là, maintenant, je prends cette main. Et lorsque je la relâche, tu plonges 5 fois plus à l'intérieur de toi-même. Détendu, dormir, sommeil profond. Tu es bien, tu te sens totalement bien, détendu à l'intérieur de toi-même. Totalement détendu et relâché à l'intérieur de toi-même. Tout va bien pour toi. Tu prends 2 minutes tranquillement et plus tu entends le son de ma voix et plus tu approfondis cet état de plus en plus et de mieux en mieux. Tu tiens debout sans problème et tu patientes juste 2 minutes. Voilà, ça marche. Ok. Maintenant, ça va être à toi. Je vais poser ma main ici. Hop. Et tu vas te concentrer sur le bout de tes pouces. Et plus ça va aller, et plus tu vas pouvoir sentir que ta vue se trouble de plus en plus et de mieux en mieux. Et lorsque je dirai le mot d'or, tu plongeras à l'intérieur de toi-même, instantanément. Ce sera comme si tu prenais une grande inspiration et que tous tes muscles se relâchaient. Tu tiendrais debout, tranquillement, et tu plongeras à l'intérieur de toi-même en totale relaxation, détendu et relâché. À 3, 1, 2, dormir, sommeil profond, complètement détendu et relâché. Maintenant, je vais prendre ta main, et lorsque je relâche, tu plonges 5 fois plus à l'intérieur de toi-même. Donnez le signal, et lorsque je vous donne le signal, vous rouvrez les yeux. 1, 2, 3, réveillez-vous. Tout va bien? Oui. Vous sentez totalement bien? Ça va? Oui. Ok. Ton c'est normal qu'on reste conscient. Tu entends ce qui se passe autour? Non, mais j'entends, mais je ne peux juste pas faire. C'est ça, normal. C'est l'hypnose. En fait, c'est comme je disais, c'est pas le sommeil, c'est plus léger, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de vous-même, et puis vous entendez quand même ce qui se passe autour de vous. Mais c'est agréable quand même, tout relâcher. Ok. Ton prénom, s'il te plaît. Camélia. Et toi? François. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on essaie 2-3 petits trucs? Oui. C'est agréable. Et puis ce qui est bien, c'est que 5 minutes d'hypnose, ça vous fait gagner 1 heure de sommeil. Donc vous allez être plein d'énergie. Vous allez passer une super nuit. Et ben voilà. Donc c'est juste le temps. On va faire 2-3 petits trucs et puis dans 10 minutes, je vous libère. Comme ça, nickel. Ça va? Ok. Ça marche. Maintenant, regarde. Tu vas me regarder simplement dans les yeux. Lorsque je te donne le signal, tu replonges instantanément à l'intérieur de toi-même. 1, 2, dormir. Sommeil profond, complètement détendu et relâché. Maintenant, tu tiens debout totalement bien. Détendu et relâché. Tout simplement détendu et relâché à l'intérieur de toi-même. Ok. Et toi, c'est pareil. Dès que je te donne le signal, instantanément, au mot d'or, tu replonges à l'intérieur de toi-même. C'est 1, 2, dormir. Sommeil profond, complètement détendu et relâché. Totalement bien. Vous plongez à l'intérieur de vous-même, vous restez totalement debout. Vous sentez totalement bien, détendu et relâché. Ok, maintenant ce qui va se passer, à toi que je touche les épaules, François, je te retire le chiffre 7. Le chiffre 7 pour toi n'a jamais existé. C'est comme si tout le long de ta scolarité à l'école, tu savais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pour toi, le chiffre 7 a totalement disparu de ta mémoire. Tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, tu restes dans cet état de bien-être. Pour toi, à l'école, tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, à 3, tu te réveilles. 1, 2, 3. Ça va? Ok, bouge pas. Ok, Camélia, à toi que je touche l'épaule. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais te retirer le prénom. Ton prénom, tu l'as totalement oublié. C'est comme si pour toi, il était impossible de te rappeler de ton prénom. Tu sais que tu as un prénom, mais pour toi, il sera impossible de t'en souvenir. Ce sera comme si tu l'avais sur le bout de la langue, mais qu'il ne voulait pas sortir. Pour toi, ton prénom, tu l'auras totalement oublié. À 3, tu te réveilles. 1, 2, 3. Avec toi. Tout va bien? Oui. On va faire un petit truc. Moi, c'est Adrien. Et toi? Ton prénom? Ah, tu l'as oublié? Non. Moi, c'est Adrien, toi? C'est quelque chose. Ça ne veut pas sortir? D'accord. Ok. Maintenant, tu t'appelles Delphine. Ton prénom? Delphine. Tu t'es toujours appelé Delphine? J'ai l'impression que non. Ah. Ok. Je te retire Delphine maintenant. Ok, ton prénom? Tu t'en souviens pas? Et maintenant, ferme les yeux. Carotte. T'es toujours appelé Carotte. Ouvre les yeux. Ton prénom? Carotte. Plus fort, s'il te plaît. Carotte. Ah oui. Ah, là, on entend mieux quand même. Ok, ça marche. Ok. Regarde-moi. Lorsque je prononce le mot d'or, tu replonges à l'intérieur de toi-même. Instantanément. 1,
2, 3. Dormir, sommeil profond, complètement détendu, relâché. Maintenant, de plus en plus détendu, tranquillement. Ok, et à partir de maintenant, le prénom Carotte disparaît et je te remets ton prénom. Tu pourras te souvenir de ton prénom à ton réveil. Ce sera comme s'il ne s'était rien passé. Ton prénom reviendra, tu t'appelleras Camilla, tout se passera bien. À 3, tu te réveilles. 1, 2, 3. Réveille-toi, tranquillement. Adrien ? Camilla. Chantez. Ça marche. Patiente 2 minutes. Ok. Toi, maintenant, je vais tendre mes deux mains. Et tu vas compter à haute voix, très fort, hein, pour qu'on t'entende bien, parce qu'il y a du bruit. Tu vas compter à haute voix. Combien j'ai de doigts, s'il te plaît ? Bon, c'est ici. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, plus fort. 5, 8, 9, 10, 11. Combien j'ai de doigts ? 10. Vas-y, recompte. 1, très fort. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. J'ai 11 doigts. 10. On a tous 10 doigts. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis pas normal ? Compte sur une main, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, celle-là ? 6. Tu veux commencer par 10 et décompter jusqu'à 0 ? Voir ? Vas-y. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 0, 1, 7. Alors j'ai un doigt 11 et un doigt 0. Il y a un petit souci. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu connais le Disney Blanche-Neige ? Je sais plus ce que c'est. Tu t'en rappelles ? C'est quoi le titre ? C'est Blanche-Neige ? Je crois qu'il y a des nains. Oui. Combien ? Compte-les. Vas-y, il y a combien de nains pour toi ? 6 nains ? T'es d'accord ? Il y a combien de nains ? Non, c'est pas possible, il y en a 6. Combien il y a de jours dans une semaine ? Compte-les. Vas-y, je veux t'entendre. Lundi, mardi. Plus fort. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait combien ? Très fort, très fort. 6. 8. 8 jours. 8 jours dans une semaine. 8 jours dans une semaine, 8 nains. Je suis perturbé là, j'ai un doigt 11, un doigt 0. Ok, tout va bien. Tu vas me regarder simplement, et lorsque je dis le mot d'ordre, tu replonges à l'intérieur de toi-même. Ça marche ? 1, 2, dormir, sommeil profond, complètement détendu et relâché maintenant. Et tu plonges à l'intérieur de toi-même, tout à fait détendu et relâché maintenant. Ok, et maintenant, je te remets dans ta tête le chiffre 7. À ton réveil, tu te souviendras du chiffre 7. Tu compteras normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout se passera bien. À 3, tu te réveilles. 1, 2, 3. Et toi ? Ça va ? Ok, recommence. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va ? Nickel ! Ça marche. Vous voulez faire quelque chose d'autre ? Ouais ? Où est-ce que vous aimeriez voyager ? Là où il y a du soleil, là où il y a... Soleil. Ah, soleil ? Soleil ? Ok, on sort de l'hiver, c'est normal. Ça vous dit la Réunion ? Oui. Je ne suis pas une agence de voyage, mais je peux vous emmener jusque-là. Ça marche ? Ok, très bien. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Donne-moi ta main. Ok, regardez-vous. Simplement, concentrez-vous sur le son de ma voix. Regardez-moi. Tout simplement, regardez-moi. Et lorsque je tire sur vos bras et que je dis le mot d'ordre, vous plongez instantanément dans cet état hypnotique, sommeil profond. Mais vous restez totalement debout, détendu, relâché. 1, 2, 3. Dormir, sommeil profond, complètement détendu, relâché maintenant. Et plus vous entendez le son de ma voix, et plus vous plongez à l'intérieur de vous-même et vous amplifiez 10 fois plus cet état de bien-être et d'esprit à l'intérieur de vous-même. Ok, maintenant vous allez simplement vous concentrer sur le son de ma voix et vous allez vivre le rêve que je vais vous proposer. Quand vous vous réveillerez, et seulement quand vous vous réveillerez, je vous donnerai le signal pour vous réveiller. Et vous imaginerez à la Réunion. Pour vous, il y aura des plages, du soleil, des cocotiers autour de vous. Vous serez à la Réunion. Pour vous, vous verrez. Vous imaginerez à la Réunion, il fera 35 degrés, ce sera tellement agréable. Vous pourrez profiter de cet état. Vous serez plongé et vous serez en voyage à la Réunion. Vous pourrez admirer la plage, le sable, tout se passera bien. À 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3. Ça va ? François, Camilla ? Alors, où est-ce qu'on est ? À la Réunion. À la plage. À la plage. Elle est où la plage, là ? Elle est juste là, là ? L'eau, elle est de quelle couleur ? Elle est bleue. L'eau, elle est de quelle couleur ? Bleu turquoise. C'est magique, non ? Ah ! Et regardez derrière, des cocotiers avec des perroquets. Ah, le perroquet, il arrive, regardez, il est là. Le perroquet, il s'est posé. Quelle couleur, le perroquet ? Vert ? Vert. C'est beau ça quand même. Tu veux le caresser ? Caresse le perroquet.
Tu veux le caresser? Il est gentil. Wow, il est mignon. Ça marche. Hop, il est reparti. Il s'envole. Il s'envole, il est reparti, tout va bien. Ok, qu'est-ce que vous voyez d'autre à part la plage? On n'est pas bien là? Il manque un peu de musique, il manque quoi? Les filles. Les filles. Bizarrement, dès que je fais ça à un garçon, il y a toujours les filles. Et là, tout d'un coup. Merci pour le... Que veux-tu? Tu veux un mec peut-être? Non, non. Non, ouais. Un petit cocktail. Ok, et maintenant, un petit cocktail, tiens. Cocktail. C'est quoi ta boisson préférée? Ça tombe bien, c'est un mojito. Tu peux boire, tu peux profiter, admire le paysage en buvant ta boisson, tout va bien. Et toi? C'est marrant parce que justement, regarde, une fille qui arrive en maillot de bain. Et elle arrive. Il est bon le mojito? Super. Super. Et là, elle s'approche de toi et elle te demande de lui mettre de la crème solaire. En balle. Allez, ton tube de crème, tiens. Allez, vas-y, étale-lui la crème solaire. J'en mets où? Partout. Pour l'instant, mets-lui-en sur le dos, sera pas mal. Mets-lui de la crème solaire sur le dos. Allez, elle attend. Elle te trouve très sympa de lui étaler de la crème solaire. Je la trouve très sympa aussi. Forcément. Et là, t'as mis beaucoup trop de crème solaire. Et là, son maillot de bain commence à glisser un petit peu. Mais il s'arrête juste à temps. Et là, tout d'un coup, toi, t'as oublié, mais t'es venu avec ta copine qui arrive énervée d'un coup. Arrête, trouve une excuse. Et là, elle te demande pourquoi tu étales de la crème solaire à une autre fille. Quelle est ton excuse? Elle m'a demandé. Ouais, mais là, elle est énervée, ta copine. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle attrape un coup de soleil. Ah ouais, donc c'est pour le bien de cette fille qui voulait de la crème solaire. D'accord. Mais t'es au courant que là, elle est vraiment énervée quand même? J'ai l'habitude. Ah, t'as l'habitude. Ok, bon. Bon, bah écoute, profite un petit peu. Ton cocktail est fini, t'en veux un deuxième? Non? Ah, c'est pour pas être trop pompette, c'est ça? Très bien, ça marche. Ok, ça vous dit d'aller nager un petit peu? Profitez? Bah allez, je te récupère ton cocktail, je le pose, ça marche. Allez, là maintenant vous rentrez tranquillement dans l'eau. L'eau elle est à 28 degrés, température idéale. Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux pour l'instant, tranquillement. Est-ce que c'est agréable? C'est super. Décrivez-nous un petit peu les environs. Est-ce que vous voyez quelque chose au loin? Peut-être une un bateau? Une île? En face de la Réunion, une petite île? Toute petite. D'accord, elle est très loin sûrement. Toi, tu vois quoi? Une île, un bateau? Des petites cabanes? C'est sympa ça quand même, petite cabane. Et là maintenant, vous rentrez dans l'eau un peu plus et vous en avez jusqu'au nombril. Toujours un peu plus, tranquillement. C'est agréable, vous n'avez pas peur de l'eau? Très bien. Elle est comment? Elle est bonne? La température, ça va? On est à La Réunion, on peut pas faire mieux. Hein. Ça marche. Ok. Et maintenant, vous en avez de l'eau jusqu'aux épaules et vous commencez à nager sur place tranquillement, sans courir. Vous restez sur place. Faites une petite brasse, tranquillement. Tranquillement, faites de la brasse, tout va bien. Tout se passe tranquillement. Ok, maintenant, vous décidez que maintenant, vous allez faire une petite sieste. Tranquillement, vous sortez de l'eau. Là, vous sortez de l'eau, tranquillement, vous vous retrouvez sur la plage. Et lorsque je vous dirai le mot d'or, vous retombez instantanément à l'intérieur de vous-même, en sommeil hypnotique profond. Vous voulez faire une petite sieste, vous voulez bronzer au soleil tranquillement, et ce sera maintenant. Dormir, sommeil profond, vêtements détendus, relâchez maintenant. Ok, concentrez-vous sur le son de ma voix. Je vais vous donner le signal lorsque vous vous réveillerez, et seulement lorsque je vous le dirai. Pour vous, vous serez revenu avec nous, parmi nous, à Rouen, dans le centre-ville. Vous vous rappellerez de tout ce qui s'est passé. Vous serez content d'avoir vécu l'expérience de l'hypnose. Tout se passera bien pour vous. Et vous vous rendrez compte que j'ai pu vous faire voyager. Vous avez vécu l'expérience de l'hypnose. Vous vous rappellerez de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. À 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3. François, Camille? Ça va? Ça va? Vous étiez où, là, il y a 2 minutes? Je sens encore l'eau, c'est bon. Je sens l'eau, jusque-là, j'avais les mains dans l'eau. Ça vous va? Bon bah tu vois finalement, tu pourras montrer ça. Je vais vous sortir de cet état là pour que vous soyez pas trop patraque et puis après je vous laisse pour raconter ça. Ça marche? Ok. Comme tout à l'heure lorsque je vous donne le signal, vous plongez instantanément à l'intérieur de vous-même. 1, 2, dormir, sommeil profond, complètement détendu, relâchez maintenant. Ok. Et là maintenant, en appuyant sur vos épaules, vous plongez 10 fois plus. Maintenant à l'intérieur de vous-même. Vous restez debout tranquillement à l'intérieur de vous-même. Et là maintenant, je vais vous prendre vos deux mains et plus
vous sentez le contact de ma main sur la vôtre, et plus vous récupérez de l'énergie, et plus vous prenez une grande respiration, et petit à petit l'énergie revient de plus en plus. Et seulement lorsque je vous dirai de vous réveiller, vous ouvrirez les yeux de plus en plus, de mieux en mieux. Et là, vous récupérez encore 10 fois plus d'énergie, jusqu'à revenir petit à petit parmi nous. Et c'est 1, 2, 3, réveillez-vous tranquillement. Et vous récupérez toute votre énergie, tout se passe bien, vous rappelez de tout, instantanément. Ça marche ? Comment vous sentez ? Ça va ? Très bien. Tu te sens bien, Camilla ? Nickel ? Je suis bien. T'as l'air contente, là ? Oui, j'ai la forme. Nickel. Ça marche ? Et toi, pareil ? Nickel. Ben voilà, écoute, je vous remercie bien. Pas de soucis. J'ai une question, vous aviez chaud et tout quand vous étiez à la réunion ? Non. Ben là, j'ai encore les oreilles rouges. Ah oui. En fait, si je leur avais dit que la chaleur était insoutenable, ils auraient commencé à se déshabiller, mais c'est pas trop le but. Ouais. Et si par exemple moi je leur avais parlé, ils m'auraient pas répondu. Ça dépend. Ça dépend de ce que je leur dis. Je peux très bien leur dire qu'ils vont entendre, mais sinon non. Est-ce qu'on peut faire une petite photo si ça vous gêne ? Comme ça je la poste. Attends, mets-toi là. Vas-y. Ça marche ? Merci, nickel. Vous étiez trop marrant, en tout cas c'était trop marrant.